Les spéculations allaient bon train. Et pour cause, après un dernier engagement royal pour le week-end du souvenir, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de s'octroyer des vacances. C'est en effet chez Doria Raglan, la mère de la duchesse de Sussex, que le couple a choisi de poser ses valises pour 6 semaines, aux États-Unis. De quoi laisser penser qu'il passera les fêtes de fin d'année là-bas, avec leur petit Archie. Eh bien c'est confirmé. Selon le journal The Sun, Meghan Markle et le prince Harry ont en effet confirmé leur choix de ne pas passer Noël en compagnie de la reine Elisabeth II, comme le veut la tradition. Et cette dernière serait en accord. Cette décision est conforme à celle prise précédemment par d'autres membres de la famille royale et bénéficie du soutien de Sa Majesté la Reine. A expliqué un porte-parole du palais. Plus de doute donc, la famille sera à Los Angeles pour les fêtes de fin d'année 2019. De leur côté, Kate et William passeront Noël à Sandringham, dans la demeure rendant hommage à George VI. L'année passée, ils avaient aussi fait le choix de passer les fêtes avec la famille de Kate Middleton. Selon un proche de Meghan Markle et du prince Harry, le couple a besoin de recharger ses batteries lors de ses vacances bien méritées.